Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons faire un pavé de merlu, sauce sweet chili et sans wok de légumes. Pour cette recette, il vous faut 300 g de pavé de merlu, 200 g d'haricots mango, un oignon rouge, un poivron jaune, deux petites courgettes, un chou pak choi, un petit flacon de sweet chili, de l'huile de pépins de raisin et de la sauce soja. Alors, votre oignon rouge, vous allez le couper en deux. Et après, nous allons l'émincer. Vous voyez, très finement. Des belles petites lamelles comme ça. Une fois que vous avez enlevé l'intérieur de votre poivron, nous allons l'émincer finement. Vous voyez, toujours comme ça. Donc vous voyez des lamelles comme ça, à peu près de la même taille que l'oignon rouge. Et pour le chou pak choi, vous allez enlever la base. Et après, vous allez faire en quatre comme ça. Et vous allez faire finement, en faisant attention à votre doigt. Et voilà. Alors pour la courgette, vous allez faire hop sur les deux extrémités, on les enlève. Vous allez la couper en deux. Et après, vous allez la prendre de côté pour faire des demi-lamelles en biseau. Vous allez faire chauffer votre poêle avec de l'huile de pépins. Quand elle est bien chaude, vous mettez les poivrons et les oignons rouges à revenir pendant 2 minutes. Au bout des 2 minutes, vous rajoutez les courgettes et vous allez cuire 1 minute. Ensuite, vous rajoutez le pak choi ainsi que les haricots mango. Et vous allez faire cuire pendant encore 1 minute. Et ensuite, vous allez rajouter un petit peu de sauce soja. Vous mélangez bien le tout. Et vous prolongez la cuisson pendant encore 1 minute. Une fois que vos légumes sont cuits, vous les débarrassez dans un saladier. Vous le filmez bien, comme ça garde la température. Et nous allons passer la cuisson de notre poisson. Une fois que vous avez débarrassé vos légumes, vous remettez votre poêle avec de l'huile de pépins de raisin et vous allez cuire votre poisson des deux côtés. Et voilà, notre plat est dressé. J'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez me liker et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Je vous souhaite un bon appétit ainsi qu'un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir!